il faut rendre les populations beaucoup plus fières parce qu'elles nous ont encadrés et nous ont permis d'avoir un cadre d'études avec leurs propres moyens qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un rang social. C'est pourquoi j'estime que je dois encore aux populations de Badiane qui ont tout fait pour nous. Alhamdulillah, si les populations reconnaissent que nous sommes en train de faire des efforts, nous prenons acte, mais j'invite les jeunes du village qui sont là avec nous et qui ont les destinées de cette association à redoubler les efforts afin que ce qui a été fait jusque-là soit multiplié en 10 ou en 20. C'est pourquoi je voudrais ici saluer la présence de celui que j'ai remplacé à la tête de cette association, Bakary Dembo Diédiou, saluer Mamadou Fall Guémé qui n'est pas là, qui eux ont eu à diriger aussi cette association avec brio. À tous ceux-là qui ont contribué à notre formation, donc à notre réussite, je voudrais exprimer toute la considération et la reconnaissance. Mais enfin, je voudrais dire toute ma joie d'être désigné parrain par mon prédécesseur, mon successeur autant pour moi, Ibrahima Diédiou, ce que je considère comme une marque de considération, de sympathie pour les populations de Badiane, mais surtout une reconnaissance à mes camarades de promo que sont, entre autres, les Fakeba Guédiou, le commissaire Ousmane, les Youssouf Carlos Sonko qui ne sont plus de ce monde. Et donc, nous considérons, nous de cette génération, parmi tant d'autres, les Modou Koli et les autres, qu'aujourd'hui c'est toute une promotion qui a été offerte en parrain à nos populations, à nos enfants. Et encore une fois, renouvelons nos prières pour que nos enfants puissent hériter ce qui est positif de cette promotion et pour le bonheur de nos populations de Badiane. Je voudrais encourager donc M. le Président à continuer dans cette lancée. Déjà, des actes positifs sont posés, beaucoup d'ailleurs, et donc vous avez tout notre soutien.